nous étions réunis hier soir et nous avons considéré cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à des chrétiens qui habitaient à Philippe. L'église de Jésus qui était à Philippe, une ville d'Asie mineure, et après avoir fait quelques commentaires sur cette église, il a dit ceci. Rendez ma joie parfaite. Vous vous rappelez? Il y avait des choses réjouissantes, mais sa joie, elle dépendait de ces choses. Et comme ce n'était pas suffisant, qu'il y avait aussi des choses qui n'étaient pas réjouissantes, il leur a dit, nous l'avons lu au chapitre 2, verset 2 des Philippiens, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même esprit, une même âme, etc. » Il avait dit, il y a quelques consolations, quelques. Et il dit, il faudrait un peu plus. Il n'y aura jamais trop dans l'Église d'amour, de compassion, de miséricorde, de fidélité, de patience, de bonté, et tout ce qu'on peut vivre en Christ et recevoir de lui pour le vivre. Et cette joie qu'il pouvait avoir, c'est aussi la joie de l'esprit. Nous l'avons vu ensemble. Certainement qu'il y a dans nos vies des choses qui réjouissent le Saint-Esprit. Et n'ayant pas pu aborder cela hier, on va le voir ce soir, il y a aussi des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et il faut le savoir. Nous sommes tous habités de l'Esprit. Dieu habite en nous par l'Esprit. Christ est en nous par l'Esprit. C'est quand même extraordinaire. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire habite en chacun de nous. C'est formidable. C'est grand, c'est glorieux. C'est une question de foi. Et cette foi, elle est basée sur l'Écriture. Et plus j'ai la foi, plus j'y crois, plus je vois la grandeur de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Et ça doit jouer certainement sur ma mentalité, sur ma manière de voir et de vivre. Mon juste vivra par la foi. Donc ce soir, on va le voir, attrister l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, on va le voir dans un petit moment. Ils attristent et Paul va leur dire quelque chose pour que justement cette tristesse se transforme en joie. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3, hier aussi nous avons vu les exhortations de l'apôtre aux chrétiens de Philippe et il leur a dit que l'humilité, rappelez-vous, l'humilité, c'est pas propre à la vieille nature, ça. C'est tout à fait le contraire. Oh, elle peut avoir de l'humilité pour certaines choses, mais au fond, dans le fond d'elle-même, dans sa nature profonde. Que l'humilité, que cette humilité soit telle que moi-même, Michel, et que chacun de nous, nous puissions regarder l'autre, sœur, frère, le regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus d'eux-mêmes. Dans le monde, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est tout à fait le contraire. Mais l'Église, c'est le contraire de ce qu'il y a dans le monde, à condition qu'on le vive, bien sûr, chacun pour notre part, bien entendu. Et suite à cette exhortation, l'apôtre Paul va poursuivre en présentant Jésus et en nous parlant de son humilité. Pour terminer et pour nous dire
ayez entre vous l'humilité qui était en Jésus, le comportement qui était en Jésus. Ça, on va le voir ce soir aussi, puisqu'on n'a pas eu le temps de le voir hier. C'est un petit rappel pour commencer que je viens de faire. Je lis donc maintenant dans l'Épître aux Éphésiens. Il a écrit aux chrétiens de Philippe, mais il a aussi écrit aux chrétiens d'Éphèse, une autre ville où il y avait aussi une assemblée de Dieu. Et voici ce que nous lisons au chapitre 4 des Éphésiens et au verset 29. Rappelez-vous que le sujet que nous abordons depuis quelques semaines, c'est celui de notre identification à Jésus. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, vous comprenez. Être un avec lui, uni. Elle est là, notre vraie communion, voyez. Avoir la communion avec Christ, bien sûr que c'est la joie de l'esprit, de sa présence, c'est des temps forts, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas vivre toute la journée avec des temps forts. Dieu soit béni pour ces moments de prière à la maison où tout d'un coup on est transporté, on est visité. C'est nécessaire, ça fait du bien, ça laisse des traces. Mais on ne peut pas vivre 24 heures sur 24 comme ça, vous avez remarqué. Hein? Donc il faut quand même, entre-temps, un fondement, il faut s'établir. Voilà, on peut avoir des moments de rencontre et puis être visité, rempli au milieu de nous, peut-être visité tous ensemble. Tout d'un coup, une action de l'esprit, c'est bénéfique, c'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui fait, selon aussi nos dispositions de cœur, bien entendu. Alors il nous faut être sur un fondement solide, et c'est ce que nous sommes en train de voir, de manière à ce que, tant de visitations ou pas, eh bien, nous ne soyons pas déstabilisés, mais qu'on tienne bon, comme on l'a vu hier soir, tenez bon. Et je lis donc au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ou dommageable. Dieu ne nous condamne pas. Il veut simplement nous dire, voilà ce que sont mes enfants. Mes enfants bien-aimés, voilà, ils me ressemblent. Et je ne voudrais pas qu'ils sortent de leur bouche quelques paroles mauvaises et dommageables. Mais d'où elles viennent ces paroles qui sont des fois mauvaises et dommageables? L'apôtre Jacques nous dit qu'elles viennent de notre cœur. Le cœur, c'est la source de tout. Et en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur, il y aura un regard, il y aura une parole, il y aura une écoute, il y aura des actes. En fonction de ce qui est dans notre cœur, c'est la source. Ou la source, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est alimentée par l'humain nouveau. Elle est alimentée par Christ, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ou alors, eh bien, la source, elle est mauvaise parce qu'elle est alimentée par les pensées de la chair, par les convoitises, par les envies, par l'orgueil, par tout ce que vous voudrez, tout ce qui est décrit dans l'Écriture. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, dommageable. Mais on est quand même enseigné, Dieu nous enseigne, Dieu nous dit quel est notre comportement. Je ne suis pas meilleur que vous, je ne suis pas plus fort que vous, mais en écoutant cette parole, je me dis, ben Michel, eh bien, tu as là des consignes, tu as là quand même des choses qui sont valables, qui sont bonnes, au regard de Dieu. Bon, ben, c'est bien que tu en tiennes compte quand même, ça va t'aider. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que je le vois. Et puis, il dit ceci, mais, alors il y a toujours, voyez-vous, il y a ce que la chair produit, et puis tout de suite dans l'Écriture, il y a ce que Dieu veut produire. Mais s'il y a lieu, d'autres ont traduit, s'il y a besoin. Ça veut dire que je ne peux pas parler à tort et à travers. S'il y a lieu, s'il y a besoin, ce n'est pas toujours nécessaire. S'il y a besoin, quelques bonnes paroles, hein, vous avez la Bible, vous pouvez suivre avec moi. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui amènent la Bible. Je suis content, c'est très bien, parce que c'est important de lire en même temps. Mais s'il y a lieu, s'il y a besoin, quelques bonnes paroles
Pourquoi ? Pour édifier, pour construire. Voilà ce qu'il dit. Pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir communiquer une bonne parole à quelqu'un, pour édifier et communiquer une grâce, il faut prendre le temps d'écouter la personne. Sinon, vous allez taper à côté. Et de vous associer à elle, de communier avec elle, de combattir avec elle, pour bien la comprendre. C'est exactement ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Jésus fait. C'est exactement le ministère du Saint-Esprit. Bouscule pas. Regardez Jésus avec la Samaritaine. Et il y a d'autres exemples. Alors je continue. Et voilà, nous y arrivons. Au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On aurait pu traduire dans l'original, n'attristez pas l'Esprit, le Saint de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je vous avoue, je ne suis pas toujours conscient de cela dans la journée. Mais je me dis en même temps, plus tu serais conscient de cela, plus tu ferais attention à ta vie, à ton comportement, à ce que tu penses, à ce que tu dis et à ce que tu fais. Vous ne croyez pas, frères et sœurs ? Eh bien, Dieu nous le rappelle. Et il nous rappelle que nous sommes habités. C'est formidable. Dieu a décidé non pas d'habiter dans des temples faits de main d'homme, mais d'habiter dans ma pauvre et misérable vie. Vie humaine, bien faible. Et il me connaît mieux que moi-même, et pourtant il a décidé d'habiter là. Amen. Et il est venu habiter le jour où il m'a engendré d'en haut. Dieu ne peut pas habiter dans une vie s'il n'y a pas une nouvelle naissance au départ. Voilà. Engendré d'en haut, c'est important. Alors après, Dieu peut habiter dans cette vie. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel... Frères et sœurs, ne croyez pas que ça vaut la peine de lire et de relire et de méditer la parole. Rien que ce que je lis ce soir, c'est formidable. Mais si vous l'avez lu à la maison, alors déjà, vous avez pu vous rendre compte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est un sceau. Et un sceau, c'est quoi ? Ça veut dire le sceau de Dieu. Il y a un sceau, ça veut dire ça, ça m'appartient, c'est ma propriété, j'ai été scellé. Amen. Mais c'est bien, Seigneur, que tu nous le rappelles. Amen. Mes frères et sœurs, il vous le rappellera si vous ouvrez la Bible et que vous le lisez, et vous n'allez pas attendre un an ou deux ans qu'un prédicateur vous le dise. Vous allez vous réjouir à la maison, alléluia, gloire à Dieu. Autant que moi, je me réjouirai en le lisant, amen. Qu'est-ce qu'on fait de la parole si on la néglige? C'est grave, c'est dommage, c'est dommageable. Pas pour le Seigneur, ça l'attriste, mais c'est dommageable pour nous en premier. Ben oui, parce qu'elle est là, elle est la vérité. J'ai été scellé, je suis sa propriété. J'ai été scellé, voilà, c'est la marque. J'ai été scellé, je suis sa propriété, et qu'est-ce qui m'attend? C'est le jour de gloire. J'ai été scellé pour le jour de la rédemption, le jour de la libération, le jour du rachat total. Et alors il suit. Et voilà, on va comprendre pourquoi il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a toute une énumération, c'est comme un chapelet qui dégraine. Mais ça m'interpelle, moi. Ça m'interroge. Ça me concerne. C'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu me concerne. Dieu parle, c'est pour moi, frères et sœurs. Mais vous vous rendez compte si c'est grand et bon? Toute cette Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu l'a parlé pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi. Et moi, je dis, oh, c'est la parole, c'est où? Oh, je préfère me distraire avec des trucs, des machins, alors que Dieu m'a parlé. Vous vous rendez compte? C'est quand même dommage. On se distrait avec ce que le monde fabrique, et Dieu nous a parlé, et on le met de côté. On n'y fait pas attention. Moi, ça me reprend moi-même, personnellement. Si ça m'arrive, bien sûr,
Vous vous rendez compte si c'est formidable? Et là, il dit, et c'est très diversifié la parole de Dieu. Des fois, on est là, on s'enferme sur une vérité, sur quelque chose, alors qu'il y a tout un ensemble de choses, c'est un véritable éventail. C'est formidable tout ce qu'il y a. C'est riche, c'est abondant, c'est diversifié. Et nous, on est là, on s'enferme sur des petites vérités comme ça. Non, il nous faut être ouverts et écouter Dieu. C'est important. Sinon, et qu'on n'a qu'une petite vérité, eh bien, ça ne sera plus la vérité, parce que les vérités, eh bien, elles se complètent les unes avec les autres dans l'Écriture. Elles s'équilibrent les unes avec les autres. Et toutes ces vérités qui s'équilibrent, c'est la grande vérité. Et la grande vérité pour nous, c'est Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'Église. Et il sait ce que l'on vit dans cette église à Éphèse. Mais quand on lit ce qui précède, vous savez, il est drôlement encourageant, hein, là. Le Seigneur, il encourage toujours. Hein. Lisez les chapitres avant, c'est formidable. Hein. Il nous présente Christ, et ce que nous avons en Christ, ce que nous sommes en Christ, etc. Attention, ce que l'on peut vivre en Christ, etc. Et là, tout d'un coup, il aborde un point. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume. Vous savez ce que c'est que l'amertume? On est amer. Amertume, c'est être amer. Ça veut dire qu'on est, c'est le contraire de doux. Il n'y a plus de douceur, on est amer. On est mécontent. On est amer. On grogne. On ronchonne. Ça ne vous arrive pas, ça? Ah ben, des fois, on le fait pour les choses de la vie. Mais quand on commence à le faire dans l'Église, vous comprenez, et dans la communion fraternelle, là, ça prend une autre proportion. Vous comprenez? Eh bien, il dit là que toute amertume, toute, qu'il n'y en ait pas une seule, eh bien, pour qu'il n'y en ait pas, il faut qu'il n'y en ait pas dans mon cœur. S'il y a de l'amertume dans mon cœur, il y a de l'amertume dans l'Église. Ben oui. Toute amertume. Alors, là, je vais déjà à la fin. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Disparaisse du milieu de vous. Pour que ça disparaisse du milieu, il faut que ça disparaisse dans mon cœur. Toute amertume. Après, il dit toute animosité. Ah, l'amertume se transforme en animosité. C'est un peu plus fort. Et puis, il dit toute colère. Amertume, animosité, ça devient de la colère. C'est terrible quand il y a de la colère dans votre cœur. Il peut y avoir de la colère vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Il y a des fois des colères, c'est des petites colères de la vie, vous savez. C'est pas de ça dont il parle. C'est des colères beaucoup plus graves qui touchent l'Église, qui atteignent l'Église. Et c'est vrai que s'il y a des colères injustifiées, même dans le foyer, ça atteint l'Église. Ça touche l'Église. Parce que l'Église, elle est faite de foyers. Elle est faite des couples. Que toute colère, après la colère, on n'arrive plus à la contenir. C'est comme une cocotte minute. Hein? Alors là, maintenant il dit, toute clameur. On pourrait traduire tout cri. Toute clameur, tout cri. Après, c'est des cris. On ne tient plus. Et alors, on se crie dessus. On va voir le frère, on va voir la sœur, et on se crie dessus. Il n'y a pas d'explication possible. C'est la cocotte minute qui siffle. Et puis après, il dit toute calomnie. D'autres ont traduit toute insulte, injure. Alors, vous voyez, dans les clameurs, il y a les calomnies, des choses fausses qui sont dites. Il y a des insultes, il y a des injures. Et puis, un peu plus loin, il dit, vous lisez avec moi, toute espèce de méchanceté. Il y en a pour tous les goûts dans la méchanceté. Il y a toute espèce de méchanceté. Rendez compte, l'Église de Jésus-Christ, les rachetés, les bien-aimés du Seigneur, les enfants de Dieu. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, mais si, ça existe. Et malheureusement. Hein? Et des fois, ça peut se trouver dans mon propre cœur. Une animosité, une irritation, même des fois une colère injustifiée. Oh, il y a des colères, elles ont leur place. Mais il y en a d'autres, elles n'ont pas leur place. Toute méchanceté, et il dit ceci,
que tout cela disparaisse du milieu de vous. Et comment ça va disparaître du milieu? C'est au milieu. C'est-à-dire, chacun va apporter, eh bien, son amertume, sa clameur, sa calomnie, sa méchanceté, vous voyez? Et on met tout ça au milieu. Ah ben, c'est pas dit pour l'Église, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas possible. Eh bien, Paul nous dit ceci, ces choses, elles viennent de la chair. Elles viennent du vieil humain. C'est lui qui les fabrique, c'est lui qui les produit. Et quand il arrive, n'est-ce pas, à installer ça dans notre cœur, eh bien, il a gagné. Mais l'Écriture nous rappelle que nous sommes unis à Christ, un avec lui, identifiés à lui, et que nous devons nous regarder dans la mort de Christ en ce qui concerne la vieille nature, et que nous devons nous regarder dans la résurrection avec Christ en ce qui concerne la nouvelle nature. Déjà, considère-le. Alors, tu ne vas pas accepter ça. Tu es dans la mort, tu es dans la tombe avec Christ. Alors, un mort, il est mort. Il n'a rien à faire, rien à dire. Je fais disparaître. Mais je ne vais pas prier. Seigneur, fais disparaître. Non, la Bible me dit, fais disparaître. La Bible ne dit pas, prie pour que Dieu fasse disparaître. C'est à toi de décider. Si tu veux faire disparaître, tu fais disparaître. Si tu veux pas, et tu continues comme ça. Dieu te laisse libre. Si quelqu'un veut me suivre, le frère l'a chanté ce soir. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il fasse disparaître. Qu'il renonce à lui-même. À lui-même. À lui-même. C'est lui. Il y en a qui disent que la chair, ça ne nous concerne pas, c'est pas nous. Non, non, la chair, c'est bien nous. Nous, nous sommes charnels dans une nature, mais nous, nous sommes aussi spirituels parce que nous sommes engendrés d'en haut et les deux sont là et les deux sont opposés, c'est biblique. Les deux sont en inimitié, en guerre l'une contre l'autre. Et frères et sœurs, si nous voulons que l'être nouveau triomphe et si on veut le vivre, c'est à moi encore de faire le choix. C'est à moi de décider. Dieu ne décidera pas pour moi, il me laisse décider. Parce qu'il veut que ma vie et mon service soient volontaires. Jésus a dit, si quelqu'un veut, et moi je trouve ça merveilleux, c'est la liberté que Dieu nous donne, alléluia. Il nous laisse choisir. Ça ne veut pas dire que des fois, mais ça c'est sa souveraineté, mais il faut pas faire, il faut équilibrer les choses. Des fois, Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre des choses et faire des choses. Ça, il faut aussi le dire. Mais si je ne dis que Dieu, c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui fait, c'est lui qui décide, toi, tu n'es pas responsable, tu es responsable de rien, c'est un mensonge. Si maintenant je dis, c'est toi qui fais tout et Dieu n'a rien à faire, c'est un mensonge. Dieu fait, mais j'ai aussi ma part. J'ai ma part et Dieu fait. Voilà. Alors, dans l'original, c'est même « faites disparaître ». Il est même dit que tout ça, même une animosité. Oh, c'est rien une animosité. Il y en a qui vivent des semaines avec une animosité. Il y en a qui vivent des mois avec une colère. Il y en a qui vivent des années avec de la haine. Non, il faut arrêter. C'est votre choix. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer. Il y a mieux à vivre, alléluia. Le comportement de la chair, c'est la mort. Mais le comportement de l'esprit, c'est la vie. Et c'est la paix. Romains 8. C'est la vie et c'est la paix. Alors, ne rien laisser subsister parce que il dit ça attriste le Saint-Esprit. Mais, au verset 32, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Alors ça, c'est formidable. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il fait une description qui est vraiment triste. Et puis, tout d'un coup, il dit, soyez. Avec tout ce qu'on vient de lire, vous n'êtes pas ce que vous devriez être, frères et sœurs. On a été rachetés à grand prix. Oh, l'amour de Dieu qui a donné Jésus.
Jésus qui n'a pas été épargné, il n'a pas épargné son propre fils pour moi. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui suis rebelle à Dieu dans ma nature. Et Dieu, au lieu de me juger ceux qui auraient été justes, par un châtiment éternel, horrible et terrible, dont on ne revient pas, une séparation éternelle avec Dieu, il a dit: j'aime trop Michel, j'aime trop les âmes, j'aime trop les pécheurs. Jésus dit: il les a tant aimés, alléluia. Son fils, il ne l'a pas épargné, il l'a frappé. Et si Jésus a été frappé, c'est à cause de mes péchés, de mes crimes, de mes désobéissances passées, mais aussi des fautes et des péchés présents et à venir. Jésus a porté tous les péchés les plus horribles. Aujourd'hui, on parle de péché dans la société. C'est horrible ce que les enfants ont vécu, ce que les femmes ont vécu. C'est horrible. Jésus a tout pris. Les crimes les plus affreux. Ce que les extrémistes font, Jésus l'a pris sur lui. Vous vous rendez compte? Jésus a tout pris sur lui. Ayant tout pris sur lui, Dieu ne l'a pas épargné. Alors ne croyez pas que ça vaut la peine de vivre une nouvelle vie. Au maximum, ça ne sera jamais parfait. Mais il y a quand même une détermination. Il y a quand même un choix à faire. Non pas parce que Zanellato, il en parle. Non pas seulement parce que c'est écrit là et que Dieu nous le rappelle. Mais aussi parce qu'on se souvient que Jésus n'a pas été épargné pour nous sauver et pour qu'on vive une nouvelle vie. Qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Nous étions ténèbres. Aujourd'hui, on est lumière. Nous étions morts. Aujourd'hui, on est rendu à la vie. Alléluia. Donc, il faut, c'est important de se rappeler de ces choses. Alors, l'apôtre Paul leur dit: soyez. Quand j'entends ça, ça m'interpelle. Je me dis: Michel, il faut que tu sois. Ils ne sont pas, et Paul, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit: soyez. Là, il a tout dit. Derrière ce soyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout l'enseignement qu'il a apporté dans Romains 6, 7, 8. Il y a tout l'enseignement qu'on a vu ensemble dans Colossiens, qu'on est en train de voir en partie dans Éphésiens et qu'on est en train de voir plus complètement dans Philippiens. Derrière ce soyez, il y a tout l'enseignement. Je peux être. Pourquoi? Parce que je suis uni à Christ, parce que je suis un avec lui, dans sa mort et sa résurrection, et parce que quand la chair se réveille, alors je veux être encore, alléluia, et je dis non, je renonce, je repousse, je rejette. Tout ça, ce sont les vers qui sont dans l'Écriture. Soyez. Et moi, je mets en parenthèse et j'ajoute, puisqu'il a dit, n'attristez pas, il aurait pu le mettre, et j'ajoute moi, soyez. Pour que le Saint-Esprit ne soit plus triste, mais qu'il soit dans la joie, et que sa joie soit complète, alléluia. C'est pas parce qu'on crie, qu'on hurle, qu'on va réjouir le Saint-Esprit. Il y a des moments où on est tellement content qu'on peut le dire très fort, mais on va réjouir le Saint-Esprit par une vie intérieure réelle, authentique, profonde, dans l'intimité avec Jésus, que personne ne verra. Que toi seul tu verras, mais que Jésus verra aussi. C'est ça qui réjouit le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit peut remplir. Parce que quand le cœur est rempli d'animosité, de clameur, de calomnie, de méchanceté, de colère, qu'est-ce que tu vis? C'est la mort. La mort quoi? Non, tu vas continuer de vivre. Le Saint-Esprit va rester. Il est attristé, ça ne veut pas dire qu'il part, mais il cède la place. Tu donnes la place à ta nature, à ton moi, à ta chair. L'Esprit de Dieu est attristé parce qu'il t'aime et il ne peut pas faire le bien qu'il pourrait te faire. Alors il est attristé, voilà, et il quitte la place. Quand toi tu dis, dégage, la place est libre, le Saint-Esprit peut la prendre, c'est tout. Hein. Et le Saint-Esprit, c'est la vie. Et tout de suite, on le voit dans son cœur. C'est la vie et c'est la paix. Quelle différence? Alors, qu'est-ce qu'on veut vivre? La chair ou l'esprit? On veut être des religieux parce qu'on peut vivre la chair et chanter des cantiques et taper des mains et sauter en l'air. Vous savez, on peut, moi je peux le faire. Et cacher les choses dans son cœur. Tout
tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Soyez à... Soyez, ça veut dire ayez la foi dans votre union avec Jésus. Soyez, ça veut dire toutes ces choses, bannissez-les, faites-les disparaître. Bannir, faire disparaître, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça disparaît, on ne voit plus. Mais bannir, c'est autre chose. Bannir, c'est faire disparaître et empêcher que ça revienne. Bannir. Il semblerait que c'est le mot qui a été utilisé, mais qu'importe l'un ou l'autre, c'est bon. Moi, je ne discute pas avec ça, parce qu'on a compris ce que ça veut dire. Soyez. Soyez bons les uns envers les autres. C'est simple, la parole. Mais elle est là, elle est la vérité. Soyez bons. Ah ben ça, frères et sœurs, ce n'est pas dans notre nature. Oh, la nature humaine, elle peut être bonne. Les parents, même inconvertis, sont bons avec les enfants. Vous avez des humains qui sont très bons avec les malheureux, avec les perdus. C'est très bien. Hein? Corneille, il était bon. Corneille, il servait. Corneille, il était généreux. Pourtant, il n'était pas né de nouveau. C'est bien aux yeux de Dieu, tout ça, c'est bien. Mais il était aussi un pécheur. Et il avait besoin d'être engendré d'en haut. Amen. Donc, il ne faut pas être excessif. Hein? Dans le monde, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses qui se font. Parce qu'il y a des êtres humains, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont engendrés d'en haut et qu'ils sont bons comme Dieu le voit. Alors si dans le monde on rencontre des gens comme ça, dans l'église on devrait en rencontrer beaucoup. Hein? Ils sont nés d'en haut, alléluia. Ils sont habités de l'esprit. On ne s'en rend pas compte, on ne prend pas conscience de ces choses. Alors, soyez bons les uns envers, ou on aurait pu traduire, soyez bons les uns pour les autres. Il dit aussi, soyez. Ça veut dire, bon, ben voilà, il y a un choix à faire. Hein. On ne discute pas, hein. C'est pas la peine de tourner en rond. Et de, hein, soyez compatissants. Ils n'étaient pas compatissants. La compassion dans l'église, vous savez que c'est bon. Hein. Non? Plutôt que d'arriver là, avec les ailes de l'aigle, là, hein, et puis en fronçant les sourcils, sans avoir rien compris. La compassion, ça veut dire quoi? Ben, il faut essayer de comprendre, connaître la situation, ah oui, l'approfondir, et dire, oh, mais attends, maintenant je comprends. Ah oui. Et comme, mais le pauvre, il souffre. Et même, il est dans le péché, mais il faut l'aider à s'en sortir. À moins qu'ils ne veulent pas, alors là, c'est différent, frères et sœurs. Mais ça commence par la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Eh bien, vous savez que ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans notre nature. Hein. Nous, on se place au-dessus des autres, on a vite fait de juger. Ah oui. La compassion. La compassion, c'est important. Compatir, souffrir avec. Vous pardonnant en vous faisant grâce réciproquement. Alors, vous voyez dans l'Écriture, hein, on est concerné personnellement, mais on n'est pas tout seul, on est avec les autres. Vous avez remarqué, hein, bon les uns envers les autres. Que je sois bon envers vous, que vous soyez bon envers moi. Bon les uns envers les autres. Compatissant. Et puis, vous pardonnant tantôt l'un, tantôt l'autre, faire grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce ou vous a pardonné en Christ. Et si je vais plus loin dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, voilà que l'apôtre Paul, eh bien, va plus loin. Il nous a dit, soyez, donc soyez, mais en faisant ce qu'il faut pour être, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir les imitateurs de Dieu. Il dit, soyez, et puis tout de suite après il dit, devenez les imitateurs de Dieu. Ben, c'est normal. Un enfant, vous avez remarqué, il imite toujours ses parents. Hein? Des fois, c'est les mêmes paroles, les mêmes propos. Et le papa l'a remis. Mais qui t'a appris ça? Ben, il ne se rend même pas compte que c'est eux qui ont été des modèles et qui les ont influencés, des fois. Et même des gestes. Moi, j'ai vu des enfants qui faisaient les gestes de papa. Des imitateurs. Ben, nous, les enfants, on a un papa. On a un Père céleste. Hein? Et plus on va le connaître, et mieux on va le connaître, et mieux on pourra l'imiter.
Plus on va connaître, plus on va l'entendre, l'écouter, et mieux on pourra l'imiter. Des fois, on est loin de l'imiter. Soyez, devenez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Et alors, il nous donne l'exemple de Jésus-Christ, mais là, je ne vais pas aller plus loin, parce que je veux m'orienter vers le deuxième sujet de l'humilité. Et au verset 2 de ce chapitre, il dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ ». Vous avez remarqué, frères et sœurs, dans Éphésiens, et là j'arrête avec Éphésiens, on revient dans Philippiens, je veux y aller, il dit ceci « Devenez les imitateurs, soyez devenez », et tout de suite après il dit « Vous le deviendrez en marchant à l'exemple de Christ, qui lui-même a marché dans l'amour, et il explique comment. Vous pourrez le lire, la façon dont il explique, c'est drôlement pertinent pour nous. Très, très instructif. Alors, je reviens dans Philippiens. Réjouissez-vous, réjouissez l'esprit, ou attristez l'esprit. Mais là, je reviens dans Philippiens parce que la dernière fois, je m'étais arrêté sur le fait que Paul nous avait exhorté sur l'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, et là je vais faire simplement une lecture parce que je vois que le temps passe et puis s'il y a des questions après, il faut aussi le temps. Chapitre 2 de Philippiens et verset 5, verset 4, verset 3, 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, on l'a vu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est lui-même bien sûr, considère aussi ceux des autres, c'est une ouverture. Et tout de suite après, il dit ceci, pour vivre ça, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je suis content de cette traduction. Mais il y en a une autre aussi, dont je tiens compte et qui me réjouit aussi, et qui est plus près de l'original, je le lis. Comportez-vous ainsi, ce qui vient d'être dit. Comportez-vous ainsi. Ça m'interpelle. Je ne suis pas là pour écouter, pour dire, oh, il a bien parlé, oui, l'écriture, pour avoir une opinion. Je suis là pour écouter et pour me dire, il faut que je retienne, et il faut que j'en tienne compte, et il faut que je vive ces choses. C'est ça. Sinon, ça ne sert à rien. Et il dit ceci, comportez-vous ainsi entre vous, comme aux Éphésiens, la même chose, entre vous. Comportez-vous ainsi entre vous, comportez-vous comme on le fait quand on est en Jésus-Christ. Encore une fois, sans cesse, chaque fois qu'il exhorte les chrétiens. Chaque fois qu'il dit quelque chose, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous pointer du doigt et dire « moi, je suis le meilleur », ce n'est pas pour exiger, forcer, non, c'est pour dire et exposer. Il instruit, Dieu nous instruit avec douceur. La vérité, elle est là. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est en Jésus-Christ. Et tout de suite après, il va nous présenter Jésus, c'est merveilleux. C'est ça, frères et sœurs, qui nous encourage, qui illumine nos cœurs, qui nous donne du punch pour le Seigneur. Alléluia! Quand Jésus nous est présenté, amen! Mais ce n'est pas la menace qui va nous faire avancer. Mais non! Et si vous ne faites pas? Mais non! Ce n'est pas la méthode de Dieu, ni celle de l'apôtre. C'est formidable, c'est merveilleux. Comportez-vous. Alors, bien sûr, pour pouvoir se comporter entre nous, eh bien, il faut avoir en soi. C'est pour ça que les deux traductions me plaisent. Comportez-vous entre vous, comme on doit se comporter quand on est en Jésus-Christ, mais pour cela, il faut avoir en soi le comportement de Jésus, les sentiments de Jésus. Et ça, je ne peux pas le fabriquer. Ce n'est pas dans ma vieille nature, mais j'ai été engendré d'en haut. Je suis uni à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Alors je peux laisser, je fais place au Seigneur dans mon cœur
je dégage, alléluia, et alors je peux laisser le Saint-Esprit produire en moi, avec la parole de Dieu qui est vivante, produire en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour pouvoir me comporter avec les autres comme on doit se comporter quand on est être en Jésus-Christ, c'est ça. Être en Jésus-Christ, c'est ça. Alors la suite, je vais la lire et après j'arrête. Rendez compte, j'avais préparé 4 pages, j'en suis encore qu'à la deuxième, mais ça fait rien, on avance, il faut avancer au... Non. Normalement. Alors, écoutez bien. Les sentiments. Jésus, il existait. Donc, avant d'être sur la terre, il existait. Et on le sait, Jean nous le rappelle dans son évangile. Il existait en forme de Dieu. Et là, c'est étonnant qu'ils mettent l'accent sur la forme. Parce que Jésus, ce n'est pas qu'une forme. L'apôtre Jean nous donne un complément d'enseignement. Et il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole, elle était Dieu, elle est Dieu. Et la parole, elle était aussi avec Dieu. Ça nous dépasse. Il est avec, et les deux sont bons. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes, les deux sont vrais. Et la parole a été fait chair. Et là, il rejoint la même vérité, mais en précisant que Jésus, qui est avec et qui est, il existait en forme de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre l'accent sur le fait que Jésus va changer de forme. Mais en même temps, il va souligner en disant ça, que Jésus change de forme, mais il garde sa divinité. Il existait en forme de Dieu, ou d'autres ont traduit, il se trouvait en forme de Dieu. Et Jésus, la parole, qui savait, Dieu savait qu'un jour il y aurait l'incarnation et la rédemption, le rachat. Il est dit ici, il n'a pas regardé. Regardez, le verbe vient souvent dans l'écriture. Regardez-vous, considérez-vous. Il n'a pas considéré, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé quoi ? Eh bien, il n'a pas regardé comme une proie. Une proie, c'est quelque chose que l'on désire. C'est quelque chose que l'on veut acquérir. C'est quelque chose que l'on veut pour soi. Et là, on est prêt à tout, on est prêt à dévorer pour l'obtenir. Il n'a pas regardé comme une proie. À saisir, d'être en égalité avec Dieu. Quelle différence avec le diable, qui lui a regardé comme une proie d'être au-dessus de Dieu, ou en égalité ou au-dessus. Et ça, c'est dans notre nature humaine. La tour de Babel et tout le reste. Il n'y a qu'à voir un petit peu, on ne se prend pas pour n'importe quoi. Il n'a pas regardé comme une proie saisir d'être en égalité avec Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, voyez, je me suis dépouillé, j'ai enlevé ma veste. Je me suis dévêtu, il s'est dépouillé, il s'est dévêtu. Le verbe même qui a été traduit plus près de l'original, il s'est vidé, ça va encore plus loin, il s'est vidé lui-même. Et Jésus, la parole, il a pris, il s'est dépouillé, il a enlevé et il a pris. Ça parle. Ça nous parle. Et il a pris. Il existait en forme de Dieu. Il s'est dépouillé de cette forme. Et il a pris une forme d'esclave, de serviteur. Mais le grec, c'est esclave. Et le mot utilisé, c'est la classe d'esclave la plus basse, les doulos. Il n'y a pas plus bas dans la société. Si Paul le prend comme exemple, c'est parce que lui le vivait. Amen. Et il le dit parce qu'il le vivait et que l'esprit de, il a eu un esprit de révélation dans cette connaissance. Son cœur a été illuminé pour que nous aussi nous puissions prendre conscience de ces choses, que moi je puisse prendre conscience de ces choses. Il a pris une forme d'esclave, un doulos. Il a pris volontairement. Il y avait un plan de Dieu
avant même la fondation du monde, Dieu avait prévu cela. C'est formidable, frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est Pierre qui nous le rappelle. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait été prévu. Il a pris une forme d'esclave, de serviteur à Noulos, et ayant pris cette forme, il est devenu semblable aux hommes. Voyez les mots, fort, semblable, et le mot grec c'est similitude, c'est-à-dire pareil, en similitude, un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire. Notre Terre est dans une immense galaxie, et je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, mais je crois qu'il y a des milliards de galaxies, et j'ai entendu dire que toutes ces galaxies elles sont en expansion, mais c'est, ça nous dépasse, c'est immense. Et Jésus, la parole éternelle, créatrice de tout cela, de l'univers et du monde et de tout, il a pris la forme d'un doulos. Il est devenu semblable aux humains en similitude. Et quant à son aspect, voyez encore, forme, similitude, aspect, et quant à son aspect, lui qui se trouvait en forme de Dieu, il s'est trouvé comme un humain. Et aspect, c'est schématique, schéma. Il s'est trouvé comme un humain. Il a gardé sa divinité, mais il s'est trouvé comme un humain. Dans la faiblesse, semblable. Comme un humain, mais bien sûr, sans le péché. Et ensuite, vous lisez avec moi, étant maintenant un doulos, étant maintenant semblable à un humain, attendez, c'est déjà un grand abaissement, vous ne croyez pas? Eh bien, il va s'abaisser davantage, et il est dit, il s'abaisse encore plus. Il s'abaisse en devenant obéissant. Alors ça, c'est le contraire de nous. Nous, on s'élève dans la désobéissance. La chair, elle n'accepte pas ça, dans notre nature humaine. Mais lui, il s'est abaissé en devenant, lui, doulos, semblable aux hommes, parmi les humains, comme un humain, il s'abaisse encore, alors qu'il est un humain, en devenant obéissant à Dieu. Quand on obéit à Dieu, on s'abaisse, frères et sœurs. S'abaisser, c'est obéir à Dieu. Dieu le dit, je ne dédaigne pas, je résiste aux orgueilleux, mais je ne dédaigne pas un cœur contrit et humilié. Vous savez, c'est bien de vivre notre nouvelle vie avec un cœur contrit et humilié à cause de ce que nous sommes dans la chair. C'est normal. C'est pas toujours, mais de temps en temps, oui, ça, c'est bien que ça arrive. C'est bien. Même s'il n'y a pas de grande forme, mais tout d'un coup, l'Esprit de Dieu nous brise. L'Esprit de Dieu nous courbe. Dans notre chambre ou autre, il y a des moments, c'est même pas prévu, tout d'un coup, l'Esprit est là. Ah, on se courbe. On ne se courbe pas, là, physiquement. Mais c'est le cœur, c'est l'être intérieur qui se courbe. C'est l'Esprit de Dieu qui le court. Ça fait du bien. Ça nous remet à notre place. Merci, mon Dieu. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort. Mais plus encore, la mort, c'est une chose. Mais il est dit encore, plus la mort de la croix. Et il termine. C'est-à-dire, lui, en forme de Dieu, il est sur une croix comme un malfaiteur. Et sur la croix, il est maudit, il est en malédiction pour que nous héritions au travers de ce qu'il accomplit la bénédiction de Dieu, le salut et la vie pour l'éternité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, dit l'apôtre, et je termine, ainsi les bien-aimés, et continue. Notre modèle, voilà, c'est un modèle pour nous aussi. Vous ne croyez pas? Bien, je vous l'ai lu, je le lis, mais je crois que ça vaut la peine de le relire avec un esprit de prière. Dis, Seigneur, révèle-moi vraiment, parce que ça ne suffit pas. Vous l'avez écouté. D'autres l'ont écouté, ils l'ont lu en même temps. Ça part, l'esprit part, mais ça ne suffit pas. Rentrez chez vous, lisez ce passage sur Jésus et dites, Seigneur, éclaire-moi, parle à mon cœur. Là, vous allez le réaliser. Et le vivre. Il y a des chrétiens, ils se contentent que des réunions. C'est une erreur. C'est un tort. Les réunions sont là pour nous encourager, pour nous enseigner, nous instruire, nous guider. Mais après,
on a notre part à faire. Je m'arrête là, parce que le temps passe, que Dieu soit béni. On va prier, puis après, s'il y a quelques questions, bien, on essaiera d'y répondre. Voilà, on avance d'après tout ce que j'avais prévu, on avance petit à petit, mais il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Seigneur Dieu. Seigneur, je me rends compte et nous nous rendons compte que ta parole, elle parle d'elle-même. Et elle se suffit à elle-même. Marie était aux pieds de Jésus et elle se tenait à ses côtés et elle était là à l'écoute. Seigneur, quand nous lisons ta parole, nous sommes à tes pieds, à tes côtés et nous sommes à l'écoute. Seigneur, tu as dit à Marie, indirectement, en le disant à sa sœur Marthe, elle a choisi la bonne part. Et cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Il y a des choses qui nous sont ôtées en lui et qui passent. Mais il restera toujours quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. De ce temps passé dans l'intimité seul avec toi. Ô Seigneur notre Dieu, merci. Et tu as même dit que c'est la seule chose qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui ont leur place, mais il n'y a qu'une seule chose dans la journée qui est nécessaire, c'est ce temps passé à tes pieds, Seigneur, à ton écoute.